l'Europe et la mondialisation. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, Covid oblige, on le fait à distance dans ce studio depuis Paris, mais on a le plaisir d'être connecté avec Nevers et le campus de Bourgogne-Franche-Comté, qu'on salue bien chaleureusement ici depuis Paris, et qu'on espère pouvoir éventuellement avoir une interaction. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de décalage avec le son à la fin, donc on pourra peut-être pas le faire, mais on verra en fin de discussion. En tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce studio Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui va pouvoir revenir sur les mois de crise passée et puis sur les perspectives à venir. David Vaillant, au bout de cette rangée, vous êtes référent de l'AREM à Paris et coordinateur du groupe de travail Reconstruire ensemble sur la mondialisation. À vos côtés, Anaïs Vogelis, vous êtes docteur en géographie à l'Institut français de géopolitique. À ma droite, Stéphane Séjourné, président de la délégation Renaissance au Parlement européen. Et enfin, Sylvie Matelli, vous êtes directrice adjointe de l'Institut des relations internationales et stratégiques à l'IRIS. Alors, on a un débat qui va se passer en plusieurs temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait d'abord une introduction un petit peu générale, où chacun d'entre vous aura la possibilité de s'exprimer 3 minutes sur son ressenti de la crise, sur ses enseignements. Et c'est vrai qu'en 3 minutes, c'est peut-être un petit peu difficile. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous ayez chacune et chacun peut-être une expression sur un moment marquant de cette crise, une décision politique ou une non-décision, un événement qui aura marqué ces 8 mois de crise et qui auront peut-être bouleversé dans un sens ou dans un autre le cours de l'Europe et de la mondialisation. Et pour cela, je propose sans plus tarder de passer la parole à Clément Beaune pour qu'il puisse dire ses premières impressions. Merci beaucoup Pierre-Alexandre, bonjour à toutes et à tous, et bonjour, rebonjour formellement mes camarades de table ronde. Je suis très content d'être avec vous ce matin, et pardon pour le léger retard qui est de ma faute à la suite de petits problèmes de connexion dans une autre table ronde, mais on peut commencer, et je me réjouis vraiment qu'on ait, malgré le Covid et les distances, cet échange sur l'Europe ce matin. Pour être rapide et concret, il y a un moment, je trouve, qui résume, ou une date qui résume ce qu'a fait ou ce que n'a pas fait l'Europe dans cette crise. C'est la mi-mars. Moi, j'ai le souvenir autour du 15-16 mars, pour être très précis. C'est une sorte de condensé, de résumé de ce qu'a vécu l'Europe dans la crise, de ce qu'elle a su montrer, de ce qu'on a su faire avancer aussi. C'est exactement au même moment qu'on a vu au début de cette crise sanitaire et des mesures les plus dures dans beaucoup de pays européens, comme en France, sur le confinement, des fermetures de frontières, des restrictions partout en Europe. Et là, il faut être clair, l'Europe n'a pas été à la hauteur. Mais quand je dis l'Europe, ça serait trop facile de dire les méchants européens là-bas à Bruxelles. C'est chaque État qui a souvent, et parfois, disons-le aussi nous-mêmes, n'a pas été dans un esprit européen, une coopération européenne. On sait à quel point c'était difficile, à quel point la pression était forte, donc c'est facile de le dire de manière un peu plus calme quelques mois après, mais on voit que ce risque est permanent, puisqu'aujourd'hui encore, on a ce défaut de coordination européenne. Et la même semaine, presque le même jour, nous avons, à l'initiative de la France, d'ailleurs du président de la République, lancé une coordination européenne sur la réponse sanitaire, la réponse économique en ce début de crise, et pris, je ne reviens pas sur tout le film, mais les premières mesures qui étaient très fortes, celles de la Banque Centrale Européenne, celles de la Commission Européenne. On a fait des choses qui étaient des tabous européens, lever les règles budgétaires pour que chaque État puisse soutenir l'emploi, le pouvoir d'achat, les entreprises, etc., et qui a amené, sans être trop long, mais qui a amené dans le même élan à l'accord franco-allemand sur la relance et finalement à l'accord des chefs d'État et de gouvernement sur le plan de relance européen au mois de juillet, qui, j'espère, va pouvoir se concrétiser avec la discussion au Parlement européen et la mise en place dans les prochaines semaines une relance économique historique en Europe. On pourra y revenir, mais c'était intéressant de voir qu'on a un condensé des bons et des mauvais aspects de la réponse européenne. Et d'en tirer une leçon, c'est que quand on a des compétences européennes et un engagement européen, c'est exactement ce qui s'est passé sur le plan économique et budgétaire, il y a des compétences pour agir, la Banque centrale, un budget européen et une volonté, c'est ce qu'on a fait entre la France et l'Allemagne notamment, on peut apporter une réponse forte, rapide, concrète. C'est un combat, pas gagné, on a mis quelques semaines, il y a eu des semaines de tension pour avoir cette réponse budgétaire, ce plan de relance, mais on l'a fait, et on l'a fait qu'on regarde vite, en réalité, et même de manière historiquement rapide.
Et quand on n'a pas les outils, ou quand il y a encore des sujets, des réflexes, des compétences qu'on n'arrive pas à mettre ensemble, on l'a vu sur la question des frontières, on l'a vu sur la question sanitaire elle-même, il y a très peu d'outils d'Europe de la santé, on pourra y revenir. Eh bien, on est bloqué, et on a parfois même des paradoxes, où ceux, on pense notamment à l'extrême droite, en France et partout en Europe, qui empêchent l'Europe d'avancer depuis souvent des décennies et en font leur commerce, y compris sur la question des frontières d'ailleurs, reprochent à l'Europe de ne pas avoir les moyens de coordonner, d'agir, de répondre à la crise. Et donc, je ne fais pas un plaidoyer pour dire tout doit passer à la Commission européenne et une sorte de grand plaidoyer fédéraliste. Je pense que ces notions n'ont pas énormément de sens. Mais ça montre bien que quand on donne à l'Europe les moyens d'agir et qu'ensuite on mène un combat politique, c'est ce qu'on fait, Stéphane est là, à travers notre délégation au Parlement européen, c'est ce qu'on fait dans les réunions de ministres, qu'a fait le président lui-même, ce qu'on fait politiquement par la mobilisation de notre mouvement, etc., eh bien, on y arrive. Et donc, moi, si je retiens un mot de cette crise, c'est que, plus encore qu'on l'a vu dans le quotidien et la routine habituelle, il n'y a aucune résignation à voir. Quand on s'en donne les moyens, on peut faire bouger des choses qui paraissent extrêmement compliquées et changer ce visage de l'Europe. Et je crois que ça s'est vu dès le début de la crise avec notre engagement. Merci, monsieur le ministre. Sylvie Matelli, je vous passe la parole. Vous avez un micro juste devant vous. Merci, merci beaucoup, merci pour cette invitation, merci Pierre-Alexandre pour la modération de cette table ronde, avec tous les sujets qu'on a abordés et le nombre d'intervenants, ça ne va pas être évident, mais ça crée exercice, et puis merci pour votre accueil. Alors déjà, avant de revenir sur l'événement qui m'a marqué, peut-être sur le concept de crise, pour moi, quand on me parle de crise en se référant à la pandémie, je suis économiste de formation, la question que je me pose, c'est quelle crise ? C'est pas une crise en fait, c'est une pandémie. Et je dis pas juste ça pour remettre chacun dans les bonnes cases. Je dis ça simplement parce que c'est une pandémie, c'est-à-dire un virus qui s'est répandu sur la planète entière avec les effets que l'on connaît et que l'on commence à voir, et on commence à voir probablement parce qu'on est qu'au début, au milieu de cette épidémie. Et c'est un virus qui est directement lié à la mondialisation, l'internationalisation des échanges et à nos vies quotidiennes au-delà de la mondialisation, le fait qu'on vit de plus en plus dans des centres urbains, très peuplés, très serrés les uns par rapport aux autres. Et en fait, ça nous questionne aussi sur nos modes de vie qui ne se sont pas adaptés ou qui ont bougé du fait de la mondialisation, mais pour lesquels on n'a pas pris l'ampleur et les mesures, et ces pandémies vont probablement se multiplier dans les années qui viennent si on ne bouge pas les lignes. Donc ça, c'est très important parce que la crise économique qui vient, c'est la conséquence d'une non-anticipation de ces événements-là, et je crois que c'est une leçon qu'il faut qu'on n'oublie pas. Alors c'est assez amusant parce que quand vous m'avez demandé de choisir un événement, moi j'ai choisi plutôt la déclaration commune d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, je crois que c'était en mai 2020, donc ça suit complètement ce que vous venez de nous expliquer, monsieur Bonne. Et pourquoi cette déclaration, moi, m'a marquée et interpellée ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai toujours trouvé, et je le regrette depuis des années, que l'Europe ait voulu donner des gages, en fait, de bonne volonté, rappelez-vous, alors vous êtes plus jeune que moi, donc peut-être que vous vous souvenez pas, mais dans les années 80, quand on a pris l'initiative du marché unique, l'Europe s'est tout de suite positionnée face aux attaques qui lui étaient faites de construire une forteresse Europe, où on allait libérer le marché, mais finalement se protéger du reste du monde, dans une position libérale, voire une position ultra-libérale, et elle est restée droite dans ses bottes sur ces questions-là. Et puis le deuxième élément, c'est que c'était un choix aussi pro-consommateur et pro-consommation de masse, on soutenait l'ouverture, on soutenait l'intégration pour favoriser le consommateur, au détriment de l'industrie, au détriment d'un certain nombre de choses. Et de par mon travail, moi ça fait 20 ans que je constate les effets pervers de ce type de choix. Alors il y a des effets positifs, hein, mais les effets pervers de ce type de choix. Et au fond, en mai 2020, je me suis dit, tiens, il y a une prise de conscience de l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est pas rien en Europe. Outre le fait que c'est la première économie, que c'est le pays le plus important de l'Europe, c'est aussi le pays qui est plutôt sur la ligne, on laisse faire en fait, et avec une appréhension de la mondialisation, de l'ouverture, voire des questions politiques et géopolitiques assez naïves en réalité. Donc là, on avait vraiment l'impression d'un changement de cap. Alors il avait été déjà perceptible au mois de mars 2019 quand il y avait eu la déclaration des deux ministres de l'économie, M. Altmaier, M. Le Maire, mais
Côté allemand, c'était plutôt les milieux d'affaires, en fait, pour lesquels les lignes avaient bougé. Et comment les lignes auraient-elles pu ne pas bouger dans un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ? C'est clair que les entreprises se rendaient compte et les milieux d'affaires allemands se rendaient compte des enjeux et de la nécessité de bouger. Mais là, on avait vraiment, au plus haut niveau, les deux présidents qui s'engageaient pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le plan est extrêmement ambitieux. On sent qu'on est dans une rupture, une approche de l'Union européenne comme une Union européenne qui prend en compte ses aspects géopolitiques, qui a une vision un petit peu différente de la mondialisation et de ce que sont les marchés, et puis surtout qui a une ambition de solidarité, une ambition d'échange complètement en contradiction avec ce qui se passait quelques semaines plus tôt. Finalement, on est assez, quand on écoute ces déclarations, on se dit « Mais attends, je me suis endormi. Pendant 30 ans, en fait, je me réveille et en réalité, il s'est passé que quelques semaines entre les deux. Donc ça, c'est super important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit aussi à ce moment-là, ouais, bon, ça ne va jamais aboutir, en fait. Ça ne va jamais aboutir, ce n'est pas possible. Il y avait déjà les frugaux qui avaient expliqué qu'on était quand même, les pays du Sud en particulier, on était quand même un petit peu limite dans le traitement et la gestion de cette crise. Donc on se dit, ça ne va jamais bouger. Et puis arrive le 21 juillet, et on s'aperçoit que ça bouge, en fait. Et ça bouge pourquoi ? Ça bouge aussi, et ça c'est intéressant, ça bouge aussi probablement parce que le Brexit. Le Brexit, c'est une mauvaise nouvelle. Puis on s'aperçoit que on arrive à en tirer, et je finirai là-dessus parce que j'étais un peu longue, excusez-moi, on arrive quand même à en tirer un certain nombre d'éléments positifs, on arrive à reconstruire quelque chose, et une fois de plus, grâce aux crises, l'Europe arrive à avancer pas à pas, alors j'allais dire petit pas par petit pas, là c'est somme toute un grand pas, reste à voir s'il va se concrétiser. C'est un très grand pas effectivement, Stéphane, toi qui as vécu ces mois de crise depuis le Parlement européen, quel est ton regard, ton événement un peu marquant sur ces derniers mois ? Merci, merci beaucoup pour cette table ronde aussi, Pierre-Alexandre. Peut-être pour les militants qui nous regardent, de manière très concrète, comment ça s'est passé pour nous ? Parce qu'il y a eu à partir du moment où la crise a commencé à être, la crise sanitaire a commencé à être importante dans tous les pays limitrophes et frontaliers de l'Union européenne, les frontières se sont fermées, les parlementaires ont commencé à déserter le Parlement européen, alors même qu'on avait besoin justement de politique européenne. Et ça a été peut-être le moment, si je devais retenir un moment très précis, pour le coup, c'est ce début de l'enclenchement de la crise avec un espèce de paradoxe, là où on avait besoin de politique européenne, là où on avait besoin de coordination, l'empêchement par les frontières, par la remise en cause aussi de l'espace Schengen qui s'est fermé assez naturellement par la décision des États membres du déplacement et de la libre circulation des parlementaires eux-mêmes. Alors, tout comme dans toute crise d'ailleurs, et je rejoins mes deux collègues de la table ronde sur ce point-là, on peut en tirer des points positifs parce qu'en quelques semaines, au Parlement européen, on a su mettre les outils en place pour continuer le travail. Et ça, c'était peut-être le plus important, en tout cas. Il y a eu un développement d'une numérisation importante du travail parlementaire. On pouvait être dans sa cuisine, dans sa salle de bain et pouvoir voter au Parlement en plénière les textes, les amendements, pouvoir prendre la parole depuis son salon dans une commission parlementaire, pouvoir continuer le débat européen sur ces questions-là, ce qui était très important, et avec un énorme pas qui a été franchi en termes de technologie et d'organisation interne au Parlement qui est incroyable. Donc peut-être que effectivement les crises bougent et font avancer les politiques publiques, et font avancer aussi les technologies qui permettent aux politiques de prendre des décisions, et c'est ça très concrètement qui s'est passé au Parlement. Et puis peut-être un autre élément qui est assez en lien, le Parlement, la Commission a créé au fur et à mesure des crises sanitaires un certain nombre d'agences européennes de santé, on en a multiplié, et puis on attendait de ces agences d'ailleurs de santé qu'elles puissent réagir assez rapidement sur une crise sanitaire, ça n'a pas été le cas. On a quand même beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et il y a une prise de conscience très importante dès le début sur l'inefficacité en fait de toute notre coordination communautaire sur ces sujets-là. D'abord parce qu'il n'y avait pas la compétence, on ne peut pas reprocher à l'Union européenne d'utiliser une compétence qu'elle n'avait pas, mais en tout cas on avait peut-être les moyens de coordonner au moins la manière dont on calculait,
dont les statistiques, les éléments d'indication qui étaient importants pour les responsables politiques pour prendre des décisions. Et ça, ça n'a pas été le cas. Et je pense que là, tout l'enjeu dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, des chefs d'État et de gouvernement, du Parlement et des institutions en règle générale européenne, c'est justement de pouvoir fondre toutes ces organisations, de pouvoir en faire quelque chose d'utile, d'utile pour les citoyens et de réactif. Et ça, ça va être l'enjeu dans les premiers temps. Donc voilà, deux trucs peut-être différents, mais qui ont été très emblématiques de cette crise sanitaire. Merci beaucoup. Et puis en plus, ça tient dans le temps, donc c'est parfait, merci. Anaïs, votre regard peut-être sur ces mois de crise et votre ressenti plus global. Est-ce que vous avez des micros par là-bas ? Non. Alors, on va le faire passer. Merci pour votre accueil. Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément un événement qui m'a marqué dans cette crise, mais plutôt la crise en tant que telle. Pourquoi j'ai trouvé cet événement très marquant ? C'est tout simplement parce qu'il n'est qu'un accélérateur de tendances de fond que nous connaissions depuis longtemps. Et finalement, la crise du Covid, on arrive à un point de rupture sur un cycle, la fin d'un cycle, l'ère de surconsommation, le besoin de faire transitionner notre économie pour réaliser les défis qui nous attendent en termes environnementaux. Et en même temps, dans les tendances de fond qu'on a vues s'accélérer, c'est aussi le repli sur soi. Parce que quel a été le premier réflexe de tous les États ? Ça a été de fermer ses frontières, d'essayer de trouver des solutions en interne au détriment du collectif. Après, l'Europe a réagi, et il y a eu de très belles choses comme l'aviez évoqué. Mais les deux points qui m'ont marqué, je vais être assez brève, c'est finalement ce besoin de se transformer en profondeur et de trouver des solutions pour les défis extrêmement importants qui vont nous attendre, parce que là, nous sommes encore dans le temps de la relance. Mais après le temps de la relance, on va avoir des défis en termes d'emploi, de soutenabilité de notre système économique, auxquels je ne pense qu'on ne mesure pas encore suffisamment. Merci beaucoup. David. Merci Pierre-Alexandre, merci Anaïs. On va parler d'Europe, on va parler de mondialisation, on va parler un peu de grands sujets. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué était quelque chose de beaucoup plus local, beaucoup plus direct et finalement moins conceptuel, c'est combien dans les quartiers populaires, et le 20e en fait partie, l'obligation de rester chez soi et donc l'impossibilité d'aller à l'école a fait monter extrêmement rapidement les inégalités parmi les enfants. Et les inégalités d'accès au savoir, les inégalités d'accès à un endroit où on peut travailler à la maison, mais également d'inégalités qu'on n'avait pas anticipées, qui est la possibilité de bien se nourrir. Quand vous n'avez plus accès à une cantine à 1 euro ou à 1,50 euro, ça crée des inégalités réelles pour les enfants. Et ça m'a... Enfin, je crois qu'il faut, pour notre discussion, peut-être en tirer trois choses. La première, c'est l'humilité. C'est des choses qu'il était extrêmement compliqué de prévoir parce que cette crise, elle est multiforme et qu'elle va, en fait, dans l'intimité de chacun. Deuxièmement, c'est l'ambition, et je crois que je rejoins les messages qui ont été donnés, c'est-à-dire que cette crise, elle nous amène, par sa profondeur, par sa dimension globale, à repenser un modèle dans son ensemble, ce qui est compliqué, mais ce qui en même temps nous donne l'expression de tout le champ politique. Et puis, troisièmement, je pense qu'il faut également la voir comme une chance, donc la chance de repenser un modèle. Et pour faire le lien avec le travail qui a été réalisé dans les différents groupes de travail et puis notre discussion là, pour moi, on a finalement trois défis. Le premier, c'est de repenser la souveraineté sans tomber dans souverainisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le deuxième, et je pense que c'est, en tout cas, c'est la réponse qu'on a essayé d'apporter, c'est de dire que si souveraineté il y a, c'est avant tout une souveraineté de modèle. C'est-à-dire que c'est une souveraineté de projet. Qu'est-ce qui va faire cette souveraineté européenne et française demain ? C'est parce qu'elle va proposer un projet. Un projet qui soit protecteur de l'environnement, qui soit respectueux de l'environnement, de nos valeurs sociales, de nos valeurs humaines et de nos libertés individuelles. Et puis le troisième point qui me paraît important dans ce modèle, qu'on a appelé un peu le New Deal européen pour la mondialisation, c'est justement de lier la solidarité au développement de la mondialisation. La mondialisation, elle amène des interdépendances. On est tous liés les uns aux autres. Ce qui n'est pas en soi un problème. C'est simplement un problème si ce n'est pas compensé, si ce n'est pas associé à des mécanismes de solidarité au sein des populations et entre États qui fonctionnent lorsqu'il y a besoin qu'ils fonctionnent. Merci beaucoup David et merci
à toutes et à tous pour cette première partie de discussion. Je propose qu'on passe à la seconde. Alors vous savez, cette deuxième partie, elle est consacrée à votre regard sur les propositions qu'a pu formuler le mouvement La République En Marche à l'occasion de la crise. Vous savez qu'il y a eu un travail extrêmement important qui a été fait sur Reconstruire Ensemble, qui a balayé largement tous les volets de la société française, européenne et même jusqu'à la mondialisation. Et donc on a retenu quelques propositions qui permettent d'aller un petit peu dans le détail et de susciter un débat. Alors il y aura trois intervenants par thème. Et ce que je propose, c'est que vous réagissiez peut-être les uns aux autres aux propos que vous entendrez dans votre thème de discussion. Et donc sur le premier thème sur lequel j'aimerais que vous puissiez réagir, c'est la proposition de créer un mécanisme européen de réaction en matière sanitaire. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'économique, de social, d'industriel, mais cette crise, elle a été avant tout sanitaire. Et donc pour ce premier temps d'échange, je propose à Clément, à Stéphane et à Sylvie de bien vouloir donner leur perception sur cette crise sanitaire et ce mécanisme européen que l'on propose. Clément, peut-être toi la parole. Ouais, merci beaucoup. Je pense que c'est exactement ce dont on a besoin dans ce qu'on appelle Europe de la santé, parce qu'il faut être concret après. Stéphane l'a évoqué, il y a des choses qui même étonnent les Européens. On n'a pas les mêmes critères scientifiques, les mêmes critères sanitaires pour prendre nos décisions nationales. On le voit aujourd'hui, quand on a les fameuses zones rouges à certains endroits en Europe, et puis certains pays qui prennent une mesure de quarantaine à l'égard de tel ou tel territoire et pas l'autre. Bon, c'est notre quotidien en ce moment. C'est parce qu'on n'a pas la coordination, même des critères. On n'a pas les mêmes seuils pour dire c'est zone rouge, c'est pas zone rouge. On n'a pas les mêmes mesures en réaction à ces classements, etc. Et je dis ironiquement, mais la situation ne s'y prête pas vraiment, mais s'il y a 6 mois, maintenant un peu plus, il y a une petite année, au Parlement européen, Stéphane et la délégation Renaissance, nous au Conseil européen, on avait dit la priorité des priorités. Alors quelques-uns l'ont fait, y compris nos députés, et je pense à l'excellent travail de notre députée santé, si je puis dire, Madame Trier-Lenoir. Mais si on avait dit au Conseil européen, la priorité absolue, c'est construire une Europe de la santé, parce qu'imaginez qu'il y a une épidémie, il faut qu'on ait les mêmes données, il faut qu'on ait les mêmes critères, ou un mécanisme de réaction rapide, tout le monde aurait ricané en disant, vous n'avez pas d'autres priorités quand on voit la situation internationale, la situation économique, la 5G ou je sais pas quel sujet, on aurait dit que ce n'est pas prioritaire. Donc ça montre bien que maintenant, ça paraît presque une évidence que l'Europe doit faire, mais parfois, on n'a nous-mêmes pas voulu ou pas pu donner les compétences et les moyens d'agir. Et donc, je pense, si je suis rapide, ce mécanisme de réaction rapide, et dont on voit les prémices d'ailleurs, il y a quelques actions, oui, il faut que ça soit d'abord avoir les mêmes données, les mêmes mesures, avoir... Et là, c'est peut-être cœur du sujet de ce mécanisme de réaction rapide, des moyens communs, des stocks de masques, de kits de tests, de matériel de protection, etc. Et la Commission a commencé, notre délégation l'avait d'ailleurs beaucoup porté au Parlement européen, à créer ça. De même qu'on a, à notre initiative d'ailleurs, créé un mécanisme de protection civile. Quand vous avez maintenant les incendies, les feux de forêt l'été en Europe, on a des avions qui sont financés par l'Union européenne. Et ben, il faut qu'on ait la même chose en matière sanitaire et avec des stocks qui sont dispatchés un peu partout dans l'Union européenne et qu'on peut activer en cas de grande pandémie ou de grande crise. Et puis l'autre élément qui, je pense, va aussi avec cette idée, c'est les vaccins et les thérapeutiques. On a créé aussi, je crois que ça fait partie des éléments d'efficacité et de fierté qu'on peut avoir dans la réponse européenne à cette crise. On a lancé à l'initiative de 4 pays, dont la France, et maintenant ce sont les 27, une alliance pour financer ensemble les vaccins, c'est-à-dire passer des contrats avec les différents laboratoires, puisqu'on ne sait pas qui aura le vaccin en premier, mais pour s'assurer que, quel que soit le découvreur, les Européens, en réservant des centaines de millions de doses à chaque fois, soient protégés en premier. Et qu'on n'ait pas de retard sur d'autres zones du monde. Et ça, on l'a financé par le budget européen. Donc un mécanisme sanitaire européen ou de réaction rapide européen, je pense, devrait couvrir ces différents éléments, des données communes, des stocks communs et une recherche commune. Merci beaucoup Clément. Stéphane, ton regard sur ce mécanisme européen, est-ce que Clément parlait des errements, des difficultés qu'il avait pu avoir au début, le fait qu'il y a un an, on l'imaginait à peine. J'imagine qu'au Parlement européen, ça n'a pas forcément été... immédiat ou tout de suite évident d'avancer sur telle proposition. Surtout que
à la discussion avec mes collègues, le sujet est très compliqué d'un point de vue santé. Et on voit bien que d'ailleurs, l'organisation même des systèmes de santé au niveau national est différent en fonction de notre culture politique et institutionnelle. On a un système, nous, jacobin, très centralisé, dont la, d'ailleurs, qui nous a permis d'ailleurs de faire des transferts de malades d'un hôpital à un autre, du nord au sud, de manière très coordonnée, etc., en interne. Chez les Espagnols, chez les Allemands, c'est totalement différent. La santé est une compétence régionale, des fois même avec des présidents de région ou des présidents de collectivités qui sont dans l'opposition au niveau national, à leur gouvernement. Et donc, quand vous vous retrouvez le Premier ministre espagnol à la table du Conseil, vous parlez de la santé, il faut d'abord que vous puissiez aligner les présidents des communautés autonomes et coordonner les choses. Et donc, avant de prendre position et avant de pouvoir engager l'Espagne dans une politique sanitaire communautaire, il va falloir aligner d'abord vos communautés autonomes sur des référentiels sanitaires qui n'existaient pas. Donc on voit bien la complexité, y compris pour nous collectivement, d'avancer sur ces points-là alors qu'on a des cultures différentes. On l'a vu aussi dans le déconfinement. D'ailleurs, le confinement, beaucoup de mes collègues européens enviaient plutôt la France et son modèle très jacobin. On prend une mesure nationale, elle s'applique territorialement, et elle s'applique plutôt bien. Et le déconfinement vient d'ailleurs remettre en cause le modèle jacobin et plutôt justifier le modèle très déconcentré, décentralisé souvent des autres États membres en disant qu'il faut des spécificités locales dans le déconfinement, etc. Donc il n'y a pas de... d'évidence à ce que les Européens puissent se mettre d'accord sur les questions sanitaires en si peu de temps, même si la crise était si importante que ça. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête, avant même de critiquer ce qu'on a pu faire, ou qui sont souvent des critiques justifiées pour pouvoir avancer par la suite avec des vrais constats. Mais on a eu ce problème-là. Et puis après, il y a des éléments de résolution. Dans les éléments de résolution, il va falloir en passer aussi par souvent des réformes des hôpitaux, des réformes du modèle de santé, des États membres en eux-mêmes. Donc nous, on a quand même le Ségur de la santé qui est un élément de transformation aussi du modèle qui avait été entamé déjà avant la crise sanitaire. Et l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ont aussi cette réflexion politique depuis quelques semaines au sein de leur pays. Donc on voit bien que tout ça est en train de bouger. Ce qu'il faut, mon sens, le plus important, c'est de trouver une volonté et ne pas laisser descendre la pression au fur et à mesure que la crise éventuellement se résout d'un point de vue sanitaire, parce que ça peut encore revenir. Et donc le vrai mauvais réflexe des Européens serait de dire bon, on a réussi à traverser entre les gouttes depuis quelques mois, et donc on va s'arrêter là, et puis on avancera avec la future crise ou la prochaine crise. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut sûrement éviter, et donc la tension politique, ce que fait le gouvernement français, ce que font les parlementaires aussi, c'est aussi de garder cette tension politique pour faire avancer les sujets au niveau européen. Merci Stéphane. Sylvie, peut-être votre regard sur ce mécanisme, et puis peut-être plus globalement sur ce que cette crise dit aussi de notre vulnérabilité et parfois de notre dépendance en matière de santé. Oui, tout à fait. Alors pour commencer sur le mécanisme sanitaire européen, effectivement, on l'a vu pendant cette crise, il y a deux éléments au moins qui justifient la mise en place d'un tel mécanisme. C'est d'abord le fait que, en Europe, tous les pays ont été touchés par cette pandémie, mais ils n'ont pas été tous touchés de la même manière au même moment. Et donc, en fait, c'est vrai que il y a des difficultés qui ont été extrêmement fortes pour certains pays, voire certaines régions à un moment donné, alors que d'autres pays étaient dans une situation plus favorable et auraient pu engager une certaine solidarité pour aider les premiers. Le deuxième élément qui justifie ça, c'est qu'on est plus fort quand on est nombreux et qu'on est très complémentaires en plus sur la dimension industrielle, la dimension technique et technologique, et qu'au fond, l'un plus l'autre, le fait qu'on n'est pas tous touchés en même temps et des complémentarités, justifie qu'il y ait un mécanisme de réaction d'urgence. Par contre, comme
vous le soulignez dans la question que vous venez de me poser. Je pense que les défis liés à la santé justifient aussi quelque chose de beaucoup plus structurel. J'ai bien aimé le concept d'Europe de la santé parce que il y a une logique à ça, outre la popularité de la démarche. Et pour l'Union européenne, avoir des démarches populaires, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Outre la popularité de la démarche, on voit depuis plusieurs années les difficultés qu'il y a pour les États aujourd'hui à assurer durablement la santé de leur population. Et pas uniquement parce qu'il y a des méchants virus qui viennent attaquer, mais aussi parce que la mondialisation, l'ouverture et le commerce entraînent la montée en puissance des grands groupes, l'oligopolisation en fait de nos économies. Ça, c'est très bien documenté par la littérature économique. C'est pas du tout une vision de gauche ou gauchiste. Et que dans le domaine de la santé, les États se retrouvent extrêmement faibles face à ces grands groupes. Et au fond, une démarche européenne permet de renforcer la position publique, la posture publique. On le voit, moi, le contre-exemple absolu à ne pas suivre, c'est l'exemple américain. L'exemple américain où, au fond, il n'y a personne pour négocier avec les laboratoires. Si, il y a les assureurs, mais ils sont quand même tout petits et puis ils n'ont pas trop intérêt à négocier la baisse des prix. Donc, il n'y a personne pour négocier le prix des médicaments et il y a des traitements qui sont aujourd'hui devenus inaccessibles, y compris à des classes moyennes supérieures et des traitements de base contre le diabète, contre un certain nombre de maladies chroniques. L'Europe a évité ça parce qu'il y a des systèmes de sécurité sociale, parce qu'il y a un modèle social européen qui a permis de toujours négocier le prix des médicaments avec les laboratoires, mais on s'est aperçu ces dernières années, il y a d'ailleurs une initiative qui avait été prise par le Parlement européen il y a 2 ans, je crois, en janvier 2018, demandant aux États de s'associer, de s'unir, peut-être de donner compétence à la Commission européenne pour aller négocier avec les grands laboratoires, et je crois que c'est un des éléments, j'ai pas le temps de détailler tout ce qu'une Europe de la santé pourrait faire, mais ça c'est très concret en fait. Un pouvoir de négociation européen aurait beaucoup plus de sens. On l'a vu, on en a vu la concrétisation avec les vaccins et tout ce qui se passe autour du vaccin. Donc je crois qu'il faut aller même au-delà. Alors l'urgence aujourd'hui, c'est ce mécanisme européen, clairement, ce mécanisme sanitaire. Je pense qu'une fois le calme revenu, il faudra vraiment aller au-delà, vers une Europe de la santé. Merci beaucoup Sylvie. Alors je vais tout de suite passer au point 2. J'espère que tout se passe bien en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai l'impression que vous êtes passionné, on est très heureux. Alors le deuxième point, la deuxième proposition, d'ailleurs c'est David qui va commencer sur ce sujet parce que tu as été l'un de ceux qui a œuvré à cette proposition et donc tu proposes de mettre en œuvre une douane environnementale et sociale aux frontières de l'Europe. Alors qu'est-ce que c'est que cette douane pour le public qui nous écoute à Nevers et quelle forme est-ce que ça pourrait prendre dans les années à venir ? Alors, le point de départ, il est assez simple, c'est que l'Europe a l'avantage d'avoir en matière éthique, en matière environnementale, des standards avancés et très souvent plus avancés que d'autres zones géographiques. Ça, c'est évidemment, notamment dans le contexte actuel, une opportunité extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut tirer la mondialisation vers le haut. On a cette capacité. Mais c'est aussi un risque très simple, c'est que ces standards-là, en réalité, soient contournés très simplement ou que des producteurs, des entreprises qui sont situées dans d'autres zones géographiques en profitent pour vendre moins cher tout en ne respectant pas ces standards. Et donc là, on a perdu sur les deux tableaux puisque il y a une perte de la production en Europe et puis en même temps, les standards ne sont pas respectés. Et ce dont on oublie, c'est le poids de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe pèse. Quand l'Europe se mobilise, quand l'Europe arrive à s'unir, elle pèse. Et donc l'idée est très simple, c'est de dire, au travers de ce poids, qui est notamment un poids réglementaire, d'arriver à mettre à même niveau, d'imposer les mêmes standards à des produits, des services qui rentrent en Europe sous format d'exportation, que ce qu'on impose aux entreprises qui produisent en Europe. Ce principe, il est très simple et en fait, il est assez compréhensible. Deux exemples sur lesquels on a réfléchi et qui ont été retenus par l'AREM en matière d'éthique des entreprises, les États européens et l'Europe en tant que telle a mis en place un certain nombre de standards dans différents domaines, que ce soit le travail forcé, le travail des enfants, la protection des espèces, etc. etc. Et que ces standards, en général, ils sont applicables essentiellement aux entreprises, soit nationales, soit européennes. L'objectif, c'est que ces standards, ils s'appliquent de la même manière aux biens qui rentrent en Europe, biens et services, mais qui sont produits à l'extérieur. C'est un premier exemple.
Le deuxième exemple, ce qu'on a appelé le bouclier carbone, et à nouveau, en la matière, l'Europe est relativement avancée sur toute la régulation et la réduction de la consommation de carbone, au travers notamment de la tarification carbone. Sauf que, bien évidemment, il faut que les producteurs européens soient sur un pied d'égalité avec les producteurs étrangers. Et on veut réellement promouvoir une politique ambitieuse en matière de réduction d'émissions carbone. Donc ce bouclier-là, il a pour vocation, à nouveau, de mettre sur un pied d'égalité des biens et des services produits en Europe et ceux qui rentreraient dans l'Europe, avec des avantages assez multiples. Le premier, c'est de baisser la consommation carbone, très simplement, et donc de baisser la composition, l'importance du carbone dans la consommation et dans la production. Le deuxième avantage, c'est bien évidemment de permettre aux producteurs européens d'être sur un pied d'égalité et donc d'être dans une concurrence qui soit juste. Et puis, dernier avantage qui me paraît clé, c'est également d'inciter des producteurs dans d'autres pays, et c'est là où c'est ça ce qu'on appelle tirer la mondialisation vers le haut, à s'aligner graduellement sur ces standards. Merci beaucoup, David. Peut-être passer la parole à Anaïs qui se trouve à tes côtés pour qu'elle réagisse à cette proposition et aux propos qui ont été les tiens. Alors c'est un sujet qui est extrêmement complexe, c'est aussi un peu une tarte à la crème, hein, parce que tout sujet de taxe à l'entrée de l'Union européenne, on en parle régulièrement. Bien entendu, je suis pour plusieurs raisons. La première, c'est que les entreprises qui sont restées en Europe, qui ont gardé une activité en Europe en général, ont dû faire un effort pour intégrer toutes ces nouvelles réglementations et ça a eu un coût pour elles. Et d'ailleurs, on a vu que parfois, nos hauts standards ont aussi conduit à des phénomènes de délocalisation. L'exemple de la chimie est le meilleur. Des entreprises n'ont pas voulu se mettre en conformité et sont allées produire dans des pays moins vertueux. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même dans un environnement où des normes internationales qui sont censées avoir un commerce relativement équilibré. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est face à des États qui distordent totalement la concurrence, soit en étant propriétaires des entreprises, soit en les subventionnant. Et on a plein d'entreprises, et notamment chinoises, qui viennent sur le territoire européen, qui gagnent des marchés publics, qui non seulement ne font pas le boulot, mais en plus affichent des prix à 30% moins chers que les entreprises européennes. Et dans ce contexte, ça n'est pas viable. Là où je mets de la nuance, et où ça me semble très complexe, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu mettre ces mécanismes en place, on se rend compte que ça peut avoir un impact social assez négatif. Et donc pour ça, je raisonnerais sur un système de taxes qui serait peut-être progressif, à la fois progressif dans le temps de mise en œuvre, et aussi sur les secteurs qu'on touche, en prenant en compte trois éléments. Premièrement, l'impact social, c'est-à-dire peut-être regarder quels sont les éléments de grande consommation pour les ménages les plus modestes et comment ça les toucherait. Surtout si on veut rééviter des mouvements sociaux comme on en a connu ces dernières années. La deuxième chose, c'est s'assurer qu'on a la capacité productive en Europe, et pas seulement la capacité de produire ces biens de grande consommation, mais une maîtrise presque globale de la chaîne de valeur. Parce que dans beaucoup de sujets, et notamment dans les technologies innovantes, on se rend compte qu'il y a quand même un petit sujet en général qui s'appelle les terres rares et ce genre de choses, sur lequel on n'a aucune capacité de s'approvisionner en Europe, et on est très fortement dépendant de la Chine, qui a une vraie stratégie de maîtrise de ses composants. Bon, y a bien d'autres sujets. Et la troisième chose que j'intégrerai dans cette réflexion, c'est l'impact sur les pays émergents. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que préserver l'environnement, c'est un sujet majeur, comme je le disais précédemment. Mais en même temps, ces pays ont réussi à se développer parce qu'ils ont récupéré des activités de production européennes. Donc il faudrait qu'on essaye d'avoir un système assez vertueux. Et le deuxième bémol que je mettrais, c'est la capacité des États européens à s'entendre autour de ces sujets. Parce qu'on l'a vu que quand il y avait des sujets d'ampleur qui avaient pour but de préserver nos industries européennes, la réciprocité dans l'accès au marché public, qui n'est pas un sujet très très complexe, le contrôle des investissements étrangers, etc., on avait toujours une difficulté à avoir une position commune des États membres. Alors aujourd'hui, on voit que par exemple l'Allemagne, qui était en général le pays qui bloquait le plus ses avancées au regard de son modèle d'économie basé sur les exportations, est en train de bouger. Mais est-ce que les États européens sont capables de s'entendre là-dessus? Et ça sous-entend un deuxième sujet. Il va falloir aussi un jour s'attaquer au niveau européen au sujet du dumping fiscal et social. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un mécanisme où chaque État exporte soit son chômage, soit essaye d'attirer les sièges sociaux. Voilà. Mais dans l'absolu, c'est bien entendu une mesure vers laquelle on doit tendre. Merci, merci beaucoup. Clément, est-ce que les États européens vont réussir à s'entendre dessus, comme le demandait à l'instant Anaïs? Anaïs avait raison de rappeler que c'était compliqué, mais je crois que les choses ont quand même énormément bougé. Et ce que souligne David, je ne sais pas si
Je suis sensible à ce terme d'un mécanisme général, d'une loi, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on ne fait pas traditionnellement. Ça ne vaut pas que pour le commerce, mais le commerce est emblématique parce qu'on a tous les outils. C'est qu'on n'utilise pas nos propres forces, notre propre modèle, pour le défendre ou pour le projeter. Les Américains, les Chinois n'ont aucun scrupule à imposer des standards, à utiliser la force de leur marché pour imposer des règles, faire respecter les leurs, parfois imposer, parfois brutalement d'ailleurs, leurs règles à l'étranger. Et nous, on a une forme de timidité, alors même que la politique commerciale, depuis la création du projet européen, est intégrée. Et il ne faut pas le sous-estimer, on est le premier marché ouvert, parfois encore trop ouvert, mais le premier marché ouvert du monde. Et pour beaucoup d'entreprises, y compris dans le secteur du numérique, pour ne prendre que cet exemple bien connu et qu'on essaie de réguler aussi, le marché européen est plus important que le marché américain, dans nombre de cas. Et donc, on a, avec notre marché intérieur ou avec notre politique commerciale qui n'est que le volet extérieur de cette propre force, on n'a pas toujours l'audace de définir nos règles, tout simplement d'imposer le respect de nos règles et de notre modèle, et même de les projeter ou de les imposer à l'extérieur. Ça change, je ne vais pas être exhaustif, mais dans les accords commerciaux qu'on conclut aujourd'hui, on voit bien qu'on est à un point de rupture. Le modèle est au bout. Le modèle, l'accord commercial traditionnel, on voit bien les débats de société qu'on a sur le CETA, qu'on a sur le Mercosur, et je crois qu'on n'aura plus ces accords-là, on n'aura pas d'ailleurs ces accords-là. Je pense au Mercosur, qui le président l'a dit, qui bloque exactement pour ces raisons, parce que on a été dans une négociation trop classique, où on a essayé d'ouvrir nos marchés en tenant compte des intérêts réciproques de l'autre. Je ne dis pas qu'on a mal défendu nos intérêts, je ne crois pas, il ne faut pas exagérer, mais on n'a clairement pas cherché à imposer un modèle en matière sociale, en matière environnementale, en l'occurrence c'est très sensible sur le Mercosur, mais c'est vrai en général. Bon. Et d'ailleurs c'est une des questions qui se pose sur le Brexit aujourd'hui. Donc je crois que ça a changé, et effectivement, je ne vais pas vous dire qu'on est passé de l'ombre à la lumière, mais des pays qui étaient contre ce type de politique, protection des secteurs stratégiques contre les investissements étrangers, lutte contre le dumping fiscal international, accords commerciaux beaucoup plus complets qui doivent couvrir aussi cette dimension sanitaire, environnementale ou sociale, ont changé aujourd'hui sur la protection des investissements stratégiques. On a un mécanisme européen qui est encore trop faible, pour être honnête, mais qui a été soutenu par des pays libéraux, pour reprendre les catégories traditionnelles comme la Suède, comme les Pays-Bas, etc. Et honnêtement, il y a 5 ans, même l'Allemagne, il y a 2 ans, je pense, ça n'aurait pas été possible. Et donc, il y a eu une prise de conscience. Donc, moi, je pense que c'est clairement vers ça qu'il faut aller, parce qu'on a la capacité. On est presque 500 millions de consommateurs malgré le Brexit, un peu moins, mais on est plus puissant que tous nos partenaires commerciaux dans beaucoup de domaines. Et on ne l'affirme pas, on ne le sait pas, on doit pouvoir le faire. Et c'est un combat essentiellement entre nous-mêmes, hein, parce qu'il faut qu'on ait le courage de changer ce modèle. Je sais que la délégation le porte beaucoup au Parlement européen sur les accords commerciaux, sur la protection de certains secteurs, sur la défense contre le dumping social et fiscal. Pardon, j'ai été long, mais je crois que c'est vraiment très important parce que ça fait aussi partie du doute sur l'Europe. Les gens ont l'impression, quand on parle de naïveté, d'excès d'ouverture, etc., qu'on n'est pas au bon rythme et à la hauteur de cette exigence qui n'est pas une exigence d'expert, hein. Quand on parle d'accords commerciaux, ça va des agriculteurs aux ONG environnementales, beaucoup de gens sont inquiets, et c'est par cette prise de conscience qu'on y répond. Merci beaucoup Clément. Alors tu parlais de prise de conscience, et là je propose qu'on aille sur la troisième proposition qui a été faite par les groupes de travail, ce qui est de déployer un plan de soutien massif pour réarmer notre industrie grâce au plan de relance européen. Alors ce plan de relance européen, il a été beaucoup débattu, commenté, et donc je crois qu'il y a certaines vérités qui ont pu être affirmées et parfois contre-vérités, donc on aimerait bien entendre Clément dessus un petit peu plus tard. Mais avant cela, j'aurais aimé, Sylvie, avoir votre regard, votre analyse de ce plan de relance en tant qu'économiste. Sur le plan de relance, et qui affiche quand même une volonté de réindustrialisation du territoire français, je crois que c'est quelque chose d'important. Alors après, on pourrait avoir le débat sur court terme, long terme. Je vais pas m'engager sur ce débat, c'est pas le but aujourd'hui, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais sur la réindustrialisation, je crois qu'effectivement, il y a
la France est l'un des pays européens qui s'est le plus désindustrialisé, et on est probablement allé trop loin dans ce modèle, et pas uniquement pour des raisons économiques en fait, et je reviens sur les raisons économiques et les aspects économiques dans un instant, mais pour des raisons d'aménagement du territoire, pour des raisons de, également d'équilibre de nos activités, parce que l'industrie, bah, c'est aussi un secteur d'activité qui génère une augmentation de la productivité, ce qui n'est pas complètement le cas du secteur des services ces dernières années. Donc c'est un facteur de croissance, c'est un facteur d'augmentation des salaires aussi, etc., etc. Donc il y a énormément d'éléments qui militent pour un retour de l'industrie. Et vous avez l'élément de la souveraineté aussi, la capacité, on l'a vu dans cette crise, la capacité d'être autosuffisant sur un certain nombre de sujets. Par contre, sans vouloir reprendre l'expression de tarte à la crème, il faut faire attention de quoi on parle en réalité, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que si on a désindustrialisé, c'est parce qu'il y avait aussi un intérêt à désindustrialiser, c'est qu'on en a tiré un certain nombre de gains. Et à un moment donné, dans la réindustrialisation, alors moi j'entends il faudrait réindustrialiser les chaînes de valeur dans les domaine de la pharmacie, puis après c'est l'agroalimentaire, puis après, et vous multipliez les choses ainsi. Alors premièrement, je ne suis pas sûre qu'on en ait les moyens, et pas seulement les moyens financiers d'ailleurs, les moyens humains également. Je ne suis pas sûre qu'on soit capable, et vous l'avez souligné tout à l'heure Anaïs, en France ou même en Europe, de produire tout ce dont on a besoin, au-delà de l'intérêt qu'on pourrait avoir à le faire ou du désintérêt qu'on pourrait avoir à le faire. Je ne suis pas sûre qu'on en ait les moyens. Et puis il y a un autre aspect, c'est que la concurrence, ça a aussi des effets positifs, et qu'il faut arriver à trouver un juste milieu en fait entre cette réindustrialisation et la mondialisation. Et là, je suis assez surprise et assez étonnée qu'on ne commence pas par le début en fait de la réflexion, c'est-à-dire les objectifs, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on veut réindustrialiser, parce que déterminer ces objectifs, ça permet aussi d'envisager une politique de formation de la ressource humaine, une politique de formation des jeunes qui vont rentrer dans les écoles, ça permet d'aider les écoles qui vont former ces personnes, ça permet aussi d'imaginer un plan de réaménagement du territoire autour de ces industries, etc., etc. Donc je crois qu'au-delà de ce qui a été avancé sur la transition écologique, toute cette démarche, je pense qu'il faut vraiment se positionner sur quels sont les objectifs et pourquoi on veut relancer cette industrie, quelles industries on veut avoir sur notre territoire, est-ce qu'il faut investir massivement dans les technologies, les très hautes technologies. Je suis désolée, mais quand on nous parle de relocaliser la chaîne d'approvisionnement ou la chaîne de valeur du Doliprane, il n'y a rien de technologique là-dedans en réalité. Donc on est sur deux sujets qui sont radicalement différents. Donc il faut peut-être bien serrer les différents sujets et commencer par le début. Quels sont nos objectifs en fait, qu'est-ce qu'on veut faire en Europe? Anaïs, je vous passe la parole. Peut-être la même question, votre regard sur ce plan de relance européen, et sur, est-ce que vous partagez cette analyse sur les objectifs qui seraient peut-être pas définis correctement préalablement? Alors, bon, moi j'ai la particularité de travailler sur l'industrie maintenant depuis 5 ou 6 ans. Quand j'ai commencé à travailler sur la réindustrialisation, j'étais quand même prise pour une gentille doudingue, voire une illuminée. Donc je suis très contente de voir qu'on se réintéresse à l'industrie. Je pense qu'il faut saluer l'action du gouvernement, parce que même si aujourd'hui il manque clairement une vision, c'est-à-dire sur pourquoi est-ce qu'on veut réindustrialiser, et la réindustrialisation elle répond à un projet de société, peut-être que dans l'esprit de tout le monde c'est pas très clair. En tout cas, le gouvernement actuel a eu quand même le mérite de remettre, et c'était bien avant la crise, en janvier 2019, l'industrie dans des lieux de pouvoir, à savoir avec l'exposition des objets du Made in France à l'Elysée, avec Choose France, et ça manquait, ça a redonné confiance aux industriels. Et tant qu'on avait un discours négatif de dénigrement sur l'industrie, on ne pouvait pas espérer industrialiser. Donc on a posé une première brique. Là, on réagit dans l'urgence parce que y a beaucoup de stress. Je pense que les Français ont été profondément choqués de certaines images qu'on a vues. On se souvient du personnel de santé en surblouse avec des sacs poubelles parce qu'on n'était pas capable de produire ça en France. Donc on répond à cette urgence, on essaye de rassurer. On fait beaucoup de confusion, c'est-à-dire quand on parle de relocalisation, le paracétamol, on parle juste de ramener des volumes dans des usines françaises qui existent. En l'occurrence, l'usine qu'a visité Emmanuel Macron, c'était le groupe Séquence. C'est un groupe français qui existe depuis longtemps, qui est implanté dans la vallée de la chimie. Donc ça, c'est ne pas avoir l'illusion que relocaliser, ça va faire revenir en France des usines à 10 000 salariés. Moi, ce qui m'intéresse dans la réindustrialisation, dans la relocalisation, c'est comment on arrive à recréer de la valeur sur notre territoire à une époque où l'industrie de service n'a pas permis d'arriver à la prospérité annoncée.
Et donc là, le plan de relance est intéressant pour une chose majeure. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un point de rupture. Décidément, je parle beaucoup de points de rupture aujourd'hui. C'est que l'industrie française risque de passer en dessous des 10% de points de PIB si on n'agit pas en urgence, si on ne soutient pas notre tissu productif français. Maintenant, au-delà du plan de relance, ce qu'il va falloir penser, c'est trois sujets. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait à l'échelle européenne ? Et vous avez évoqué des sujets, mais je pense qu'il va falloir se doter de moyens pour investir dans des technologies d'avenir à l'échelle européenne. On parle des biotechnologies, des nanotechnologies, mais ce qui va assurer notre souveraineté de demain, pas notre souveraineté d'aujourd'hui, celle de demain. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous différencier à l'échelle mondiale demain ? La deuxième chose, ça va être peut-être de créer des fonds souverains pour financer ces industries. Aujourd'hui, nous n'avons pas de fonds souverains en France, pas de fonds souverains à l'échelle européenne. C'est d'envisager des mécanismes européens de protection de nos industries. On parlait taxe carbone, je reviens sur les mécanismes de contrôle des investissements étrangers. Et enfin, ça va être du rôle de chacun, et je dis bien de chacun, d'être capable de se transformer dans sa manière de consommer, de produire et de vendre. Les entreprises, on les aide aujourd'hui. Mais les aides, elles seront inutiles si les entreprises ne sont pas capables, un, de se moderniser, deux, de se poser des questions sur leur modèle économique. On a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui ne répondent plus aux attentes de marché. Alors on peut abaisser le coût du travail indéfiniment, ce n'est pas la tendance historique. Tant que le modèle économique n'est pas viable, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est le rôle des entreprises. Et après, c'est le rôle des acheteurs publics et privés de privilégier les entreprises françaises ou européennes quand elles le peuvent. Et la dernière chose, c'est à chacun, même si je sais que ça pose des questions de pouvoir d'achat et aussi des questions d'acceptabilité, parce qu'on veut relocaliser, mais je crois que personne n'a envie d'avoir une usine chimique s'implanter en face de chez lui, c'est que chacun doit essayer de privilégier autant que possible des produits français. Et c'est comme ça qu'on va réussir le pari. C'est-à-dire qu'au-delà du plan de relance, c'est comment est-ce que collectivement, on se met en marche derrière notre industrie. Et cela n'était pas volontaire. Effectivement, il faut se mettre en marche derrière notre industrie et pas que. Clément, ce plan de relance européen, et on entend beaucoup de choses en France, beaucoup de contre-vérités, notamment sur la façon dont il pourrait être financé, ce que les Français auraient à payer ou n'auraient pas à payer. Et donc je pense que pour ceux qui nous écoutent en Bourgogne et ailleurs, partout sur Internet, ce serait bien de rétablir quelques vérités sur le sujet. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de contre-vérités, donc je vais les sélectionner et essayer de ne pas être trop long. Bon, il y a un acquis qu'il faut quand même rappeler, hein, 750 milliards d'euros de plan de relance européen, dont, et c'est ça le cœur, presque 400 milliards d'euros de subventions budgétaires, d'aides directes, qui sont sans contrepartie, qui sont remboursables dans longtemps, après 2027, et qui vont aider directement les pays les plus en difficulté. La France en est le troisième bénéficiaire. Et quand on parle de 40 milliards d'euros, d'abord c'est sans doute plus à la fin, puisque je ne rentre pas trop dans le détail, mais il y a différentes poches dans ce plan de relance européen, et on aura du financement aussi au titre d'autres poches ou d'autres éléments de ce plan de relance européen, donc c'est au moins 40 milliards d'euros. Ça fait très abstrait, très théorique, mais ça ne sera pas théorique parce que ça va arriver le plus rapidement possible, et c'est 40% du plan de relance français, donc en fait, si on est encore plus concret, c'est 40% de chaque projet du plan de relance français. Et on s'est battu, c'est symbolique, mais je crois que c'est aussi ce type d'anecdotes, entre guillemets, qui n'en sont pas, qui est très important pour montrer ce que fait l'Europe, c'est qu'il y a un logo intégrant le drapeau européen. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ça sur des aides économiques. On mélange le drapeau français et le drapeau européen. Enfin, on les mélange pas, mais on les superpose, si je peux dire, pour bien montrer la dimension complètement articulée de nos plans de relance. Alors, j'en prends juste deux fake news, parce que je pense que c'est important aussi de démentir des idées qui circulent, voire qui s'installent, et il faut éviter cela absolument. D'abord, l'idée que ce plan de relance, finalement, il est pas gratuit, dans le sens où il a des contreparties, des conditionnalités européennes. Et donc, en gros, on aurait accepté une forme de charité européenne. C'est quand même une charité à 40 milliards d'euros, donc ce n'est pas négligeable, hein. Mais qu'on aurait accepté ça en échange, je cite le Rassemblement national ou la France insoumise, qui, une fois devient coutume, ont les mêmes argumentaires, disent « vous avez promis en échange la réforme des retraites » ou je ne sais quoi. Moi je dis, pour faire simple, c'est exactement l'inverse. On n'a pas attendu que qui que ce soit demande une quelconque réforme, et ce n'est pas le cas dans ce plan de relance, pour lancer des réformes. C'est parce qu'on a lancé des réformes en France, parce qu'on les pensait nécessaires et que on s'y était, le président s'y était engagé, c'est pas une surprise, il n'y a pas d'agenda caché, qu'on a, parce qu'on a aussi fait des propositions européennes, qu'on a retrouvé de la force, de la crédibilité en Europe. Et ces 3 ans de travail,
on ne l'a pas fait pour les autres, on l'a fait pour nous-mêmes. Mais quand la France est plus forte économiquement, politiquement, avant la crise, au moment où la crise arrive, on est plus fort aussi, plus légitime, plus convaincant pour obtenir dans les débats européens le plan de relance. Donc c'est les réformes qui permettent le plan de relance et pas l'inverse. Et on continuera ces réformes, pas parce qu'on nous les demanderait. Vous pouvez vérifier les documents bruxellois, si je puis dire, il n'y a pas de conditionnalité. Mais c'est parce qu'on pense qu'elles sont encore nécessaires, qu'on en continuera un certain nombre, le Premier ministre les présentera bientôt, avec le plan de relance, en parallèle du plan de relance. Bon. Maintenant, il ne faut pas mentir non plus, il y aura un mécanisme de discussion, de coordination de nos politiques économiques, de nos réformes en général. D'ailleurs, quand on dit réforme, ce n'est pas juste la réforme des retraites, la réforme du marché du travail ou autre, c'est la transition écologique. Est-ce que M. Bardella ou M. Quatennens sont contre la transition écologique qui est financée et poussée par l'Union européenne aussi? C'est l'investissement dans l'innovation, dans la 5G, dans la recherche, etc. Donc ne nous laissons pas intoxiquer par ce faux débat sur les réformes. J'insiste beaucoup là-dessus. L'Europe n'est pas une sorte d'institutrice qui nous impose des réformes. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et nous devons continuer ces réformes en parallèle de la relance parce que nous les souhaitons et qu'elles sont bonnes pour nous. J'insiste beaucoup là-dessus, mais je crois que c'est vraiment un débat qu'il ne faut pas laisser s'installer. L'autre, il est peut-être mieux connu, c'est celui sur la facture cachée, que j'évoquais d'un mot. Vous avez 40 milliards aujourd'hui, mais vous rembourserez plus. Alors, je vous donne un scoop. Oui, la dette commune, qu'elle soit européenne ou française, on la rembourse un jour, parce qu'il n'y a pas d'argent magique. Bon. On la rembourse collectivement pour la première fois, c'est la spécificité très forte de ce plan de relance européen, après 2027, comme je le disais, et sur 30 ans, parce que c'est le principe même, la logique économique, je parle sous contrôle d'experts, quand il y a une crise, on ne va pas rembourser maintenant, on dépense plus, c'est normal, on investit plus, c'est le plan de relance français et européen, et quand ça va mieux, on rembourse. Et ceux qui vous disent vous rembourserez 60 milliards, 65 milliards, 100 milliards, moi j'aimerais bien qu'eux montrent les chiffres, parce que personne n'en sait rien. On en va rembourser collectivement, mais le système de financement du remboursement, il n'est pas encore défini, il est ouvert en débat. Et dans ce débat, on a obtenu une première victoire, c'est qu'on a dit, c'est écrit, vous pouvez le vérifier, dans l'accord des chefs d'État et de gouvernement, et le Parlement européen, je parle sous le contrôle de Stéphane, renforcera, j'en suis sûr, encore cette exigence, on va créer des nouvelles ressources, celles qu'on évoquait. Est-ce que c'est là, prêt au 1er janvier prochain? Non, c'est encore un combat qu'on doit mener. De même qu'on a mené le combat sur le plan de relance et qu'on l'a réussi, contre tous ceux qui nous disaient, vous n'y arriverez jamais, l'Europe ne le fera pas, etc. Donc on a encore des combats à mener. Tous ceux qui vous disent il y a des milliards d'euros à rembourser, c'est tel chiffre, tel gros chiffre, ce chiffre n'existe pas. Et nous remettrons tout à plat, d'ailleurs, y compris des choses qui nous coûtent de l'argent, comme les rabais d'autres pays, etc. Donc, je dis un mot simple, la facture cachée, ça n'est pas vrai. Il n'y a rien de caché. Il y a un débat sur les futures ressources. Moi, je suis sûr qu'on en créera le plus possible. On a déjà créé une petite ressource nouvelle dès le 1er janvier prochain qui est sur le plastique. Et on continuera sur le numérique, sur la taxe carbone aux frontières. C'est le sens de l'histoire. Mais c'est un combat politique à mener. Et ceux qui nous disent que ces grands chiffres font peur et qu'on aura une facture très lourde à l'avenir devraient plutôt aider à mener ce combat au Parlement européen partout pour accélérer la création de ressources européennes qui font payer ceux qui aujourd'hui ne payent pas, les grandes entreprises numériques, etc. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que les fake news, pour le dire en bon français, comme le rappelait Pierre-Alexandre, se multiplient. C'est classique, hein. On n'admet jamais les victoires européennes, donc soyons-en fiers, et on ne veut pas mener les batailles parce que c'est trop compliqué. Ben, nous, on a choisi de mener les batailles européennes, on en a gagné certaines, on a encore des combats à mener, mais on a prouvé que c'était possible. Et donc là, je le dis très politiquement et fortement, défendons-le et continuons ce combat-là. Et je sais qu'en particulier, nos députés européens Renaissance le font et le feront encore dans les prochains jours. Donc, agissons plutôt que de faire peur. Merci Clément. Effectivement, les députés européens le feront et les députés nationaux aussi à l'Assemblée nationale défendront le plan de relance lorsqu'il nous sera présenté. Alors, j'en viens au dernier thème des propositions qui ont été formulées par le mouvement dans cette période de crise, c'est la mise en place d'une conférence pour l'avenir de l'Europe. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé depuis le début de ce débat de réindustrialisation, de relance économique, de faire en sorte de créer des mécanismes pour mieux répondre aux crises, notamment d'un point de vue sanitaire dans les mois et les années à venir. Mais ça ne vous aura pas échappé, et j'aimerais vous entendre sur le sujet, Stéphane, David et Clément, que notre Europe, elle est parfois confrontée à des blocages, à des dysfonctionnements, et que parfois, elle n'a pas toujours montré la meilleure image, et que l'on peut penser assez
avec un peu d'objectivité, qu'il y a certaines choses à revoir. Et donc le président de la République, au moment de la campagne des européennes l'an passé, avait proposé une conférence pour l'avenir de l'Europe, que notre mouvement a décidé de reprendre. Et donc Stéphane, je me tourne vers toi. J'aimerais savoir, cette conférence, d'abord, pourquoi faire, avec qui, et puis avec quels objectifs. Merci. Cette conférence... D'abord, cette conférence, elle est née dans un contexte qui est quand même favorable à la construction européenne. Les élections européennes l'ont montré, il y a plus de 5% de taux de participation dans tous les États membres de moyenne au vu des dernières élections européennes. Donc il y a eu quand même un engouement européen autour de ces élections. Il y a eu un débat européen important. On se retrouve dans une situation en plus de crise sanitaire, on l'a évoqué, qui nous oblige à réinventer aussi un certain nombre de modèles économiques, sociaux, sanitaires, de construction. Et cette conférence sur l'avenir de l'Europe, elle a une vocation, c'est réfléchir sur notre capacité à prendre des décisions communes en réalité. Et comment on le fait de manière peut-être plus transparente, plus démocratique, avec plus de lisibilité, plus inclusive aussi, avec les citoyens. Et donc, on va discuter de tout ça. Et aujourd'hui, c'est impossible de dire, d'ailleurs, la conclusion de cette conférence, puisque le principe même qu'a poussé le président de la République, c'était la constitution d'une discussion autour de ces thèmes. D'ailleurs, sans réels objectifs très concrets sur les éléments. Alors, peut-être, il y a quelques débats, des grands débats européens qui sont déjà nés avant les élections européennes, qui étaient les listes transnationales. Vous avez dû en entendre parler, puisque c'était un débat entre nous de savoir s'il fallait faire élire des Européens et des députés européens, notamment par l'ensemble des pays européens, avoir des mêmes listes partout, ce qui est quelque chose que nous on a porté pendant cette élection, puisqu'on considère que le projet politique européen est avant tout un projet politique pour les 500 millions d'Européens et qu'il faut inciter les partis européens à constituer des corpus idéologiques et programmatiques sur ces élections-là. Donc toutes ces questionnements vont être posés dans le cadre d'une conférence où citoyens, avec des collèges de citoyens, des parlementaires, des membres du Conseil, des représentants des États membres, pourront faire des propositions, voter et prendre des décisions et essayer d'organiser la démocratie européenne qui fasse en sorte de ne pas renforcer le bloc anti-européen. Parce qu'on voit bien qu'en réalité, quand on prend des décisions et qu'on donne en spectacle sur des conférences ou des sommets européens qui durent des heures et des heures, dans lesquels on négocie, dont les termes, pour le coup, sont très péjoratifs pour l'opinion publique, et qu'on a l'impression que tout ça est fait en chambre à quelques-uns sans réelle participation, on voit bien que ce bloc anti-européen ou eurosceptique se renforce dans la construction de ces politiques publiques. Donc là, il faut qu'on trouve, nous, la coordination pour justement permettre ça, renforcer la démocratie européenne. Ça va être tout l'objectif. Les citoyens, d'ailleurs, et vous-même qui nous regardez à Nevers ou sur les réseaux sociaux, vous pourrez participer. C'est quelque chose qui sera très ouvert, qui doit être aussi accaparé par les formations politiques, les partis, les mouvements, les institutions, les États. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à créer un débat assez large autour de ça. Et puis, il y aura une décision, et j'espère une décision, des décisions avant 2024, avant les élections européennes, qui nous permettront de faire des grandes propositions et de faire avancer ça. Merci Stéphane. David, peut-être ton regard sur cette conférence pour l'avenir de l'Europe, son utilité ? Merci déjà Stéphane, parce que c'est très, très, très exhaustif, donc j'ai peu à ajouter. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on a une tension quelque part, c'est-à-dire que les Européens sont massivement en faveur de l'Europe, et on l'a vu dans les élections, on le voit également dans les sondages. En revanche, il y a un malaise qui est récurrent, qui est ancien, et qui nourrit évidemment le développement des partis eurosceptiques. Ce que je trouve intéressant dans le moment actuel, c'est qu'il y a une attente que l'Europe soit à la hauteur. Et ça, je pense que c'est clé.
Ça peut changer le regard que les Européens ont vis-à-vis de l'Europe à deux conditions. Premièrement, que l'Europe soit évidemment à la hauteur de cette attente. Et deuxièmement, qu'on ait vraiment cette démarche d'avoir une voix crédible en disant ce qu'on veut faire et surtout comment on veut le faire. Et puis cette démarche d'associer de manière relativement large en sortant des chambres, en sortant des cénacles. Et c'est ça que je vois de très intéressant dans cette conférence. Merci beaucoup David. Alors on est un petit peu pris par le temps. Et malheureusement, on ne pourra pas prendre de questions de la salle parce qu'on a un petit souci technique. Mais ce que je vous propose, c'est que Clément, tu réagisses aussi à cette conférence pour l'avenir de l'Europe, parce que dans un très très bon papier que vous pouvez trouver sur Internet, mais aussi en librairie, l'Europe par-delà le Covid, signé de Clément Beaune, tu conclus ton texte en parlant d'un carré magique à recréer pour faire vivre et durer cette Europe. Puis en concluant, d'ailleurs, c'est la dernière phrase. Sur la nécessité d'ouvrir cette conférence sur l'avenir de l'Europe, justement, pour y parvenir. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton regard sur cette conférence, sur ce qu'elle peut apporter, et puis peut-être plus globalement un mot de conclusion sur ce que peut être l'Europe d'ici à la présidence française ? Merci beaucoup. Vaste programme, et je ne vais pas pousser le vice jusqu'à m'autociter, donc merci Pierre-Alexandre de cette amitié. Simplement sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, Stéphane et David l'ont très bien rappelé. Ça part d'un constat, c'est qu'on n'a pas de lieu et de moment européen où on réfléchit à long terme et ensemble sur les grandes priorités politiques de notre projet, de notre Union européenne à moyen long terme. On a évidemment des rendez-vous, les élections européennes bien sûr, et on voit que quand on montre les enjeux, quand on explique davantage ce qui se joue, et je crois qu'on l'a fait en 2019, notamment en France, Stéphane le rappelait, ça a permis d'augmenter la participation, et notamment chez les jeunes, donc il n'y a pas de fatalité. Mais ça ne suffit pas parce que ce n'est pas encore, je pense qu'on peut l'améliorer d'ailleurs par des listes communes par exemple, ça n'est pas encore un scrutin commun. Et donc on n'a pas l'équivalent, c'est normal parce que l'Europe n'est pas un État, on n'a pas l'équivalent d'une élection présidentielle en France ou d'élection législative en Allemagne et ailleurs, où on se dit pour les 4 ou 5 prochaines années, voilà les quelques grandes priorités sur lesquelles on agit. Et quand on l'a fait au niveau européen, on l'a fait soit de manière très diplomatique, au sens de conférences un peu fermées, etc. C'est le modèle traditionnel qui a permis d'ailleurs des avancées importantes, donc je ne crache pas dessus, mais c'est un modèle qui, je pense, aujourd'hui n'est plus suffisant. Ou des tentatives un peu plus innovantes, un peu plus ouvertes, comme on l'a vu sur la convention qu'avait présidé Valéry Giscard d'Estaing au début des années 2000, mais on l'a vu aussi, qui s'est soldé par l'échec du référendum constitutionnel en France, aux Pays-Bas. Je pense, pour plein de raisons, parce qu'on n'avait sans doute pas compris encore la bascule qui renvoie à tous nos sujets qu'on a évoqués, sur la souveraineté européenne, sur l'affirmation de l'Europe dans le monde, etc. Mais aussi parce que c'était encore trop institutionnel, je pense. Et on se focalisait sur les changements de traités, comment on change notre mécanique, notre mécano, etc. Et donc, si j'ai un souhait pour la conférence sur l'avenir de l'Europe, pour être court, c'est un pari, hein, c'est un exercice qu'on n'aura jamais fait, qu'on n'a jamais fait, et j'espère qu'on va la lancer vite, c'est que ça soit ouvert. Et donc, c'est pas un gadget, c'est pas un slogan, je pense qu'il faut qu'on a maintenant des outils, parce que ça s'organise aussi, de panels citoyens, on a fait avec la Convention citoyenne sur le climat en France, je souhaite qu'on puisse le faire d'une manière un peu similaire sur l'Europe pour cette conférence, dans les mois qui viennent en France et partout dans l'Union, que ça soit ouvert, que ça permette à des citoyens pendant plusieurs mois, parce que je ne crois pas que ce soit la génération spontanée et la désorganisation ou l'invective. Ça doit être une réflexion. Encore une fois, la Convention citoyenne sur le climat a donné des résultats très bons parce que les gens ont été tirés au sort, mais ont pris le temps d'écouter des avis, de confronter leurs idées et de réfléchir et de produire. Et chacun peut avoir, s'il le souhaite, en consacrant du temps, un avis éclairé, approfondi, creusé sur les sujets européens. Je crois qu'il ne faut pas considérer que ça marche pour quelques élites, quelques académiques ou quelques responsables politiques et pas pour les autres. Au contraire. Et on a montré avec En Marche, d'ailleurs, que l'Europe peut intéresser tout le monde. L'autre condition, c'est que ça soit justement sur le fond des politiques. Bien sûr, il faut parler des institutions. Moi, je pense qu'il y a plein de choses à changer. Il ne faut rien s'interdire. Pas même un changement des traités à terme, mais on sait que ça prend du temps. Et ce n'est pas le point d'entrée. Le point d'entrée, ça doit être qu'est-ce qu'on fait en matière de politique industrielle, en matière de politique migratoire, en matière de politique commerciale. Tout ce qu'on a évoqué là, c'est ça que les gens se demandent. Ils se demandent si on peut être plus efficace pour gérer nos frontières, comment on peut relocaliser au-delà du slogan et de l'objectif, etc. Et donc, cette conférence, elle doit être longue. Je crois qu'on doit passer plusieurs mois à voir ces délibérations partout en Europe, ouvertes, et s'intéresser au fond et au long terme. L'Europe est parfois, ce sera peut-être
mon mot de conclusion, puisque tu m'y invitais, Pierre-Alexandre. L'Europe ne s'affirme pas encore, n'ose pas encore s'affirmer comme puissance. Et je le dis d'une manière très résumée, très rapide, effectivement, c'est quoi une puissance ? C'est, je crois, un projet politique. Il ne s'agit pas de singer des modèles politiques. L'Europe est un modèle politique original. Ce ne sera pas un État. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de nos adversaires politiques qui disent que vous êtes des fous fédéralistes qui voulaient diluer les États, les nations, les cultures. Pas du tout. C'est un projet original, atypique, on doit en être fier, mais il faut les attributs de la puissance qu'on n'a pas aujourd'hui encore en Europe. Je pense qu'il faut des frontières, en effet, parce que quand on est obsédé par l'idée qu'on ne sait pas où ce qu'on va, on ne sait pas comment on s'élargit, je pense que ça nous affaiblit, pour être très direct. Je pense qu'il faut aussi des institutions, en effet, même si ça ne doit pas être la seule obsession qui fonctionne mieux. Je le dis à titre personnel, le président de la République l'a dit d'ailleurs lui-même dans son discours de la Sorbonne, une commission à 27 commissaires, ça ne fonctionne plus bien, c'est clair. Exemple parmi d'autres. Il faut ce que j'appelle un peu pompeusement un agenda de puissance, mais il faut que dans quelques domaines, sans doute pas 50, mais 5-6, défense, climat, numérique, industrie, avoir nos grandes mesures, nos 4-5 grandes mesures, protection des investissements et autres. Je ne refais pas tout, et il y en a beaucoup dans les réflexions que vous avez faites aussi au mouvement ces dernières semaines. David en rappelait quelques-unes. Quelques lignes directrices de puissance pour les 5-10 prochaines années. Et puis j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que je finissais sur cette note, parce que je crois que là aussi c'est notre ADN, le sentiment d'appartenance. On doit être fier d'être européen, ça n'est en rien incompatible, au contraire, avec le fait d'être fier d'être français, ou d'être breton, ou d'être je ne sais quoi. Ça j'y crois profondément, mais on n'ose pas encore s'affirmer comme des Européens fiers par rapport aux autres puissances. Pas à la place des États, etc., par rapport aux autres puissances. Je prends cet exemple, je crois, dans l'article et en général, parce que je crois qu'il est très parlant et le fait qu'il fasse parfois sourire dit beaucoup. Quand le président américain ou le président chinois dit le premier homme ou la première femme sur Mars sera américain ou sera chinois, tout le monde dit, ah, ils sont quand même forts, ils ont de l'ambition, ils ont de la réussite. Et on est aujourd'hui en Europe encore, j'espère que ça va durer, les meilleurs du monde dans le domaine spatial. Et donc moi je dis, ça doit être un homme ou une femme européenne qui sera le premier, la première sur Mars. Bon. Et ce n'est pas un gadget là non plus, c'est juste pour dire qu'on s'interdit d'avoir des projets de long terme et ambitieux. Et l'Europe a tout, notre force économique, notre force commerciale, notre force technologique, notre identité, notre culture, pour être, non pas de manière arrogante et agressive, mais une grande puissance mondiale. On l'a été, on l'a parfois été de manière brutale, donc il ne s'agit certainement pas de revenir à ça, mais il ne faut pas non plus qu'on s'endorme dans une espèce de timidité européenne, fragilité subie. Voilà. Donc ce sentiment d'appartenance et cette fierté d'être européen, ça doit se construire concrètement par tous les leviers qu'on évoquait, mais on doit l'avoir, et cette conférence sur l'Europe, c'est notre modèle démocratique qu'on essaye de projeter dans la durée. C'est ça l'esprit. Je crois que c'est très européen et c'est très en marche, si vous me permettez ce rappel de ce qu'a été notre engagement européen, de ce qu'est notre fonctionnement. Merci, merci beaucoup Clément. Alors je vais clore plutôt, puisque tu as eu les mots de conclusion, cette table ronde. Je voulais d'abord vous remercier sincèrement, David, Anaïs, Sylvie, et puis Stéphane qui a dû nous quitter pour ce débat, pour ces échanges. Il y avait beaucoup de sujets, c'était extrêmement dense. On prendra le temps à l'avenir de pouvoir approfondir. En tout cas, c'est un souhait qu'on a à La République En Marche de pouvoir continuer à organiser du débat, du dialogue, de l'échange, de la contradiction malgré la période que l'on est en train de vivre, et puis aussi se dire qu'en ces temps peut-être un petit peu difficiles, incertains, avec des doutes, des angoisses, eh bien, il y a aussi des choses qui fonctionnent politiquement, et je crois que le débat qu'on a abordé aujourd'hui avec l'Europe est une réussite politique du président de la République, du gouvernement, de notre délégation au Parlement européen, de notre mouvement, qui est un mouvement très européen et qui continuera à l'être. Et je crois que les avancées que vous avez évoquées, en particulier toi Clément, pendant cette table ronde, on le doit à cet engagement inlassable, constant, qui a été celui du président, toi à ses côtés, d'autres au Parlement européen, et puis dans la société civile, on voit que ça porte ses fruits. Plus de la moitié des propositions, on n'a pas parlé beaucoup du discours de la Sorbonne aujourd'hui, mais plus de la moitié des propositions qui avaient été faites par le président de la République à la Sorbonne sont aujourd'hui en train d'être déployées. Le plan de relance a été adopté, la conférence pour l'avenir de l'Europe va être mise en place, la présidence française est en ligne de mire, donc on peut dire qu'on a un alignement des planètes pour faire en sorte que l'Europe continue à avancer, à se renforcer, comme on l'a toutes et tous appelé de nos voeux. Donc voilà, mesdames et messieurs, merci à Nevers de nous avoir suivis, je vous souhaite bon appétit, et puis une bonne suite de votre campus, où que vous soyez en France. Merci beaucoup.